3 Champagne Ardenne. Merci beaucoup Céline. Allez, on passe à l'actu culturel. On s'arrête d'abord sur le travail étonnant d'un photographe qui expose à Lille l'univers de Thomas Muselet. Interpelle forcément Marie-Agnès Bourguin et Philippe Châtelain. Bon matériel ne saurait mentir. Objectif, appareil photo, pas de doute, nous sommes avec un pro. Thomas Muselet procède au dernier réglage dans ce studio photo de Douai. Travail en amont, c'est-à-dire disposition des lumières, réglage, mise en scène, comment concevoir l'image, quel va être le produit final, c'est toute cette partie qui est importante. Je veux dire, après, moi je peux tout préparer, tout régler et prendre n'importe quelle personne lambda et venir appuyer, ça c'est pas un souci. Et voici le travail de Thomas Muselet, un style original et atypique pour cet ancien militaire, initié à la photo par ses compagnons d'armes. Un autodidacte qui marie photographie et infographie dans des créations oniriques et un peu délirantes. Mon travail est plus un travail, comment je pourrais dire ça, de recherche en perpétuel mouvement au niveau des couleurs, des mises en scène, et des ambiances et des textures qui se fait actuellement. Donc ça, c'est vraiment un travail artistique plus que chose. Thomas Muselet a aussi concocté un calendrier gastronomique pour 2013, portrait décalé de 12 grands chefs de la région, saupoudré d'un zeste d'humour.